Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 où on se retrouve avec notre ami le Congo. Alors, on faisait plein de trucs, on venait de finir plein de trucs, à savoir tabasser un petit peu la Castille. Visiblement ici on était en train de faire des sièges et puis bah ça s'est terminé par rendre des trucs à Tunis, je me souviens plus trop, on était... Ouais, là, ça appartient à Tunis, ça appartenait peut-être déjà à Tunis. Enfin, on avait fait une guerre avec la Castille, on lui en avait profité pour lui piquer 2-3 petites conneries, et en terminer avec cette province-là, ce qui fait que le Congo est maintenant bien massif. Comme d'hab, c'est du territoire sauvage pourri, mais c'est pas grave. Donc on était en train de ramener les gens, là. On a 10 000 personnes qui se pointent. Vous allez rester là... vous allez aller là. Ici on est à 0,4 là d'agitation et j'aimerais bien éviter que ça pète si on peut, donc on va aller mettre quelques troupes supplémentaires. On avait des dépendances qui gueulaient, nos nouvelles dépendances, parce qu'on a imposé la religion je crois. Donc du coup, bon bah elles vont gueuler un peu mais on va pas les intégrer tout de suite. Ce week-end, on a pas mal de trucs à faire. Et notamment, gagner des sous déjà, parce que voilà, c'est important de gagner des sous. Et ensuite, terminer d'intégrer le Dagbon, ce qui devrait nous dégager nos relations diplomatiques trop nombreuses. Et dans la foulée... Ah, on a un désastre. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on avait les clercs qui étaient trop influents à cause d'un event, mais c'était pas trop gênant. Ça va se régler. On peut leur taxer 150 points, on va complètement leur taxer 150 points. Hop, oui, donc l'objectif de ce week-end, si on peut... Ça sert à rien malheureusement. C'est d'éviter à tout prix de dépenser des points admin tout simplement. Pour une raison assez simple, on est en retard technologiquement et il faut absolument qu'en plus on termine notre doctrine. Parce que si on arrive à terminer cette doctrine, normalement on pourra réformer le pays. Là il faut terminer au moins toutes les doctrines économiques. Et si on peut réformer le pays, bah bien sûr, on sera bien, quoi. Vous allez là. On sera très très bien. Alors, l'armée de 20 000 hommes. On ferme, et ça, on choisit. Et ici, on est toujours à 0,4, donc on peut pas avoir plus. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On va séparer les troupes. Un commandant nous a quittés, merde. C'était celui-là. Donc voilà, l'objectif c'est d'éviter que le pays parte en sucette et à gagner un maximum de points admin, tout simplement. Simple et efficace. Ici on peut claquer un petit peu de blé pour une manufacture. L'intégration ça avance. Ça avance à 9 par mois, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a des conseillers à plus 3 et on gagne des sous avec 3 colonies, on est plutôt bien. L'inflation descend doucement, c'est pas ouf mais doucement. Et on a une colonie autosuffisante, parfait. Alors, on m'a proposé de coloniser ici. Alors effectivement ce serait pas mal mais j'ai absolument pas envie de perdre un conquistador pour ça là. D'ailleurs je vais tout de suite renvoyer quelqu'un en Éthiopie pour essayer de lui piquer une carte. En attendant, ça fait partie d'un état ça? Non, hein, ça fait pas partie d'un état. C'est peut-être pas une priorité absolue. J'aimerais bien ici essayer de raccourcir un peu mes temps de trajet pour traverser le pays. Ouais, c'est que du plus 3. C'est pas ouf. Du coup, on va essayer de partir là pour rapprocher un petit peu ces deux trucs-là, qu'ils aient plus à faire tout le tour. Même s'ils pouvaient déjà passer là, ça va déjà aider un peu. Quoique non, stop. On va plutôt essayer de se rapprocher de notre vassal en colonisant. Ah oui, ça en plus, ah ouais, bah non, en fait je peux pas. Ça se touche pas, attention. Subtilité, ces deux terrains ne se touchent pas. Donc on est quand même obligé de passer par l'Ethiopie. Ça c'est des territoires sauvages. Donc du coup c'est pas forcément très intéressant. Donc bah non, on va quand même l'envoyer là. Bon, alors, par contre du coup faut que j'enlève la pause, voilà, c'est parti. Donc le désastre il me fait pas peur. Coup de doctrine, coup de technologie, ouais bon si ça pète, ça pètera, c'est pas demain la veille.
Normalement, ça doit, il devait y avoir des trucs qui devraient s'arrêter bientôt, en 1440. Ouais, c'est pas tout de suite, on verra. Donc les états, on va attendre d'intégrer le Dagbon avant d'aller faire un tour. On peut en avoir que 5, donc on va pas se précipiter. Au niveau du commerce, 9 au Congo. Ah bah oui, oui, complètement. On fait ça. Ici, on va lancer entraînement. Ici, on ne va pas lancer entraînement parce que ça peut quand même toujours potentiellement péter. Même si j'espère que ça va pas le faire. Et du coup, bah, on n'a pas d'autre général. Est-ce que ça vaut le coup d'en demander un au noble pour pouvoir s'entraîner? Ouais, hein. Alors un conquistador sinon. Ouais, on va prendre un conquistador, allez. On va prendre un conquistador et on va l'envoyer là. Ça, ça sera fait. On peut prendre notre petite tech, c'est parti. Donc du coup, une doctrine. Le seul endroit où on est vraiment en avance, c'est sur les militaires. Donc ça sera une doctrine militaire du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau en militaire? On en a déjà beaucoup des doctrines militaires. Hein. Ouais, on en a déjà deux. Doctrine de quantité, doctrine de qualité, doctrine offensive ou doctrine navale. En naval, c'est pas trop le thème. Quantité, c'est toujours pas mal hein, pour. Surtout vu la taille de notre pays. Doctrine de qualité, ça viendra plus tard. Pour l'instant, on a défensive et aristocratique. Ah, on n'a même pas fini d'adopter les aristocratiques en même temps. Ouais, on va attendre un peu. De toute façon, on n'est pas aux pièces. On pourra pas dépenser de points ni admin ni diplôme pour des doctrines. Et les points militaires, on en a déjà une de commencée. Donc, de toute façon, c'est pas la minute. Alors faut qu'on surveille un peu où ça gueule. Hein. On a beaucoup de troupes ici, on en a de l'autre côté du pays des troupes? Non, hein. Ouais, on a 10 000 hommes ici qui se battent en duel. Vous les gars, vous allez arrêter de vous entraîner et vous allez aller par exemple là-bas. Les bateaux. Est-ce qu'on a des bateaux à mettre à jour? Oui, on a quelques-uns, donc on va les laisser armer. Les flottes de commerce. Ah mais tous mes bateaux sont là! Ah j'avais pas vu! Ah bah non mais on va vous renvoyer les gars. Alors, barrez-vous. Ici, on va en prendre. Allez, 15. On va les envoyer à Zanzibar. Et les autres, on va les envoyer alors ou en Côte d'Ivoire, à Aden. À Aden, c'est les pirates qui ont la puissance commerciale la plus importante, quoi. Carrément. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on va essayer. C'est pas ouf, mais on va essayer de faire un peu chier les gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? On perd des blés. On perd du blé, ouais. Est-ce qu'on peut taxer nos marchands? Non. Ah, c'est bien dommage. On va prendre un emprunt pour que dalle, mais tant pis. On peut pas faire autrement. Ah ouais, la vache, il y a 30 pirates de Grande-Bretagne là. Putain. Ah, les mecs, ils déconnent pas. Ils sont où? Ils sont pas là. Non, ils sont uniquement sur le golfe d'Aden, quoi. Juste ça. Eh ben putain. On va peut-être envoyer nos bateaux là-bas. Nos 6 vaisseaux lourds. Bon, ils vont pas faire le poids face au bateau anglais, mais bon, parce que 30 pirates, la vache, c'est la violence absolue. Bon, bah, du coup, faut qu'on rembourse notre emprunt. On a pas de lézard là-dessus. Et c'est vous qu'il faut améliorer. On va attendre, du coup, un peu. Ouais, faut quoi que. Tant qu'à les payer, on va les améliorer. J'imagine que vous aussi, il faut vous améliorer, du coup. La Castille songe à attaquer Charcas. Ok, Castille d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas te piquer des cartes, vite fait? L'Atlantique Nord, on peut piquer l'Atlantique Nord, on va le faire. Découvrir un peu. D'ailleurs, mes mecs là, ouais, ils ont fini, ils vont retourner là et ils vont s'entraîner. Les fils de Niam. Alors, ah oui, on a un mec qui est tombé malade. Qu'est-ce qu'on fait? On gagne des points de mine ou on paye? Non. On gagne des points de mine. Ça me convient.
L'Ethiopie, on va laisser le mec là-bas, on va faire des revendications, même si ça nous sert pas des masses pour l'instant. Lui, il fait les revendications qu'on lui a demandé de faire, c'est parfait. Alors la Castille fait des revendications chez nous, bien sûr, hein. Ça m'inquiète pas trop, hein, la Castille, elle est quand même bien bien souffert. Ah, la guerre d'indépendance d'ailleurs est terminée. Je sais plus quoi, c'était pas contre le Brésil? Elle a perdu sa guerre d'indépendance, tiens. Ah, la Grande-Bretagne fait des revendications, ça c'est un peu moins fun déjà. Donc là, ça gueule un peu parce que bah on est en train de légitimer tout ça. Hein. D'ailleurs, on peut pas y aller hein, si jamais ça pète ici. Nos troupes peuvent pas y aller, donc on va essayer de faire en sorte que ça pète pas. Ah bordel! Bah du coup on va payer, on va prendre un deuxième emprunt, vous êtes sérieux à cause d'un événement pourri, enfin sans déconner quoi. C'est un peu abusé les gars. Je tiens quand même à vous le dire. Ouais, un deuxième emprunt à cause de deux événements de merde. C'est cadeau. Là on va peut-être claquer un peu de prestige. On a beaucoup trop à mon goût. Ah, l'Ethiopie nous a rivalisé, intéressant. Oui, on a carrément pas assez de rivaux, nous. On va reprendre l'Ethiopie comme rival. Puis on lui collera un embargo dès qu'on aura l'occasion. Makuri se prépare à attaquer les Mamelouks. Ouais. Eh ben, bonne chance. Bonne chance, mec. Faudrait qu'on conquiert, qu'on colonise ça aussi pour. Rejoindre là, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on va peut-être faire ça quand on aura terminé ces deux colonies-là, là. Plutôt qu'aller vers l'Éthiopie où on n'a pas vraiment de soucis. Ah, merde, notre mec en Castille a été découvert. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec lui? Non. Bon bah du coup on va le rappeler. Ce sera l'occasion de caler un embargo sur l'Éthiopie comme ça. Ça me fera plaisir. Ici, entraînement. Ici, entraînement. Les remboursements d'emprunt. Oh la vache, 836 quoi. Du coup, limite, cette doctrine va être intéressante, quoi. Emprunt intérêt annuel moins 0,50 quoi. Juste à cause des événements pourris. Merci jeu. Alors, imposer l'embargo. Ah, on est en trêve, on peut pas imposer l'embargo. Zut. Est-ce qu'on peut l'insulter quand on est en trêve? Oui. Ah ben on va l'insulter pour la peine. Par contre, on n'a toujours pas d'autres rivaux que la France, c'est un peu triste. Il faudrait peut-être qu'on envoie des gens découvrir des trucs ici. Enfin, Vijayanagara va peut-être grossir suffisamment à un moment pour devenir notre rival, mais c'est dingue que je puisse même pas prendre les Ottomans comme rival, quoi. Voilà quoi, la France elle est à 814 de développement, les Ottomans ils sont carrément au-dessus. Je connais la Russie, je connais le Ming, je peux pas les prendre comme rivaux. C'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Puis casser cette alliance France-Aragon, c'est quand même risqué quoi. C'est quand même assez risqué. Si jamais la France veut qu'on vienne à son aide contre la Grande-Bretagne, on va bien sûr se précipiter en courant. Mais genre en courant vite. Bon, ici les gens ils gueulent toujours ou pas? Ils gueulent toujours, hein. On est obligé de payer l'armée du coup. Une doctrine militaire. On va la prendre. On va avoir un diplomate supplémentaire au prochain niveau, ce qui ne nous sert à rien puisque je ne fais rien avec mes diplomates déjà. Les pays voisins. Allez hop, c'est parti, les mecs, au taf. Donc les provinces légitimes, c'est fait, c'est parfait. Les missionnaires, bah non, t'avances pas là. Je sais pas ce que tu fous, mais t'avances pas en tout cas. On devait avoir un inquisiteur et on l'a plus. Ah ouais, on peut rien convertir quoi. C'est un peu la tristesse ça par contre. Ah mais c'est des trucs sunnites, même les coptes on peut pas. Ouais, coptes c'est moins 2% aussi de puissance, la vache. Ouais, va falloir qu'on améliore ça, dis donc.
On n'a pas des décisions qui feraient des trucs là-dessus? Se convertir au christianisme ou à l'islam, non. Fonder la colonie des Indes, non. Enrôler des corsaires, non. Non, non, bah non, bah du coup on n'a rien d'intéressant. Ah, on a terminé une colonie, donc du coup on va envoyer quelqu'un là. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est les politiques. On n'a rien qui améliore. Non. On n'a rien qui améliore le. Les conversions, bah du coup les doctrines religieuses seraient peut-être intéressantes, mais alors par contre, c'est de l'admin quoi. Les doctrines humanistes éventuellement. Ah ouais, les doctrines humanistes seraient pas mal. Parce qu'on va en avoir plein des religions de partout. C'est qui est considéré comme païen envers nous? Ouais. C'est globalement ouais, toutes les hérésies, elles sont super loin de nous, on les verra pas. Par contre le paganisme il est partout quoi. Le paganisme il est partout, donc les doctrines humanistes seraient pas mal, mais bah c'est de l'admin, ça fait chier. Y'a rien d'autre de toute façon qu'à des trucs sur la religion. Hein. Non. Bon, y a que en admin qu'on a des trucs sur la religion, donc bah on verra. On verra ce qu'on peut faire. Ici il va exploser quand ce truc là? En 44, bon normalement il devrait perdre de l'influence largement avant. C'est la bonne nouvelle. Alors, quelles seraient nos opportunités? Pulse. Alors, on aura une belle opportunité sur Massina. Haïr, toujours allié à la Grande-Bretagne. Donc du coup, bah, c'est pas facile quoi. J'imagine que rompre l'alliance, il vaudra jamais. Massina, t'es allié à qui? Au Maroc. Ouais, alors là par contre, le Maroc, voilà quoi. Là par contre, je pense qu'on va aller se faire plaisir sur Massina. Ah, le Portugal a fait le premier tour du monde, bien joué mec. T'as des rebelles? Ah, il a des rebelles, Massina. Ok, donc on va terminer l'intégration de ça, là, le temps que le pays se stabilise un peu, et puis peut-être que notre désastre disparaisse, puis qu'on rembourse nos emprunts aussi, ça serait pas mal. Hop, voilà. Et on va doucement se préparer à lui taper dessus. Au niveau des troupes, on peut peut-être faire un peu mieux, non? Ah non, non, même pas, pas tant que ça en fait. Au niveau des bateaux, par contre, on doit pouvoir faire mieux. Alors après, faut qu'on rembourse nos emprunts. L'influence sur Pulse, non, c'est bon. Ah, on a gagné un nouveau niveau de professionnalisme. Oh la vache, on est level 60 de professionnalisme. En 1639, le Congo. Ça fait plaisir. Hop là. Et du coup, on a eu un event qui nous a permis de terminer cette colonie. C'est parfait. Du coup, ah oui, on peut pas... Alors toi, tu reviens s'il te plaît. Ici on n'a pas des états qui seraient commencés. Non, ça en fait c'est juste un état. Les fils de Niam, oui, des points de mine s'il vous plaît. Merci. Donc du coup ici, on peut pas envoyer parce que c'est pas adjacent. Donc bon, on va envoyer là. Puisque vous me l'avez demandé, je le fais. On peut prendre ça. On a quoi là? Les grands temples, ah bah ouais, non, 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 faut qu'on attende les grands temples, y a pas photo. Y a juste pas photo. Ok, donc les emprunts, ça va se faire. Les bâtiments à construire, c'est pas le thème. Bon, je pense que 40 000 hommes, ça va largement suffire pour taper sur... sur Massina. On ne fera que filer des provinces au Pulse, hein. On va essayer de faire un gros score de guerre et de les faire blober au maximum. Ça va être l'objectif de cette guerre. Eux, ils vont rester là pour l'instant, le temps que ça se stabilise. Alors, il a quand même combien de troupes là, Massina? On va jeter un œil parce qu'on va pas faire nimp. Étant donné qu'on est beaucoup dispersé, même si on est très fort. Massina, c'est 24 000 hommes, ok.
Donc, et il est tech 16. On est 19. Ah oui, oui, bon, ça devrait aller. 3 tech d'avance, ça va quoi. Ah, reviens toi. La malaria frappe une colonie, ah merde. Bah non, on va envoyer quelqu'un, tant pis. Ça c'est le drame. Donc toi, je t'ai dit de revenir s'il te plaît. Merci. En Éthiopie, on peut pas faire quelques trucs là? Genre des revendications sur Gedo. Voilà, allez, reviens, on a suffisamment, et il va nous falloir un mec pour faire des revendications sur Massina. Enfin, un réseau d'espionnage surtout. Alors, la guerre, le Maroc ne vient pas. Rien de particulier. Donc, voilà, on a plein de casus belli de reconquête légitime pour notre vassal, donc bon bah... C'est parti. Aragon et France ne viennent pas, bien sûr. Nos vassals viennent, mais ils sont complètement pas... Ils sont complètement pas... comment... Je trouve plus mes mots. Loyaux, donc ils ne viendront pas. On va désarmer les forteresses à l'arrière du pays qui ne servent à rien. Ici aussi. Vous, vous êtes l'armée... La première armée. On va récupérer le général de la première armée. Hop, voilà. Et c'est parti. Alors on va essayer de quand même pas rester trop... on va passer en vitesse 3 quand même. La guerre en vitesse 4, on est peut-être pas encore, on est peut-être quand même pas encore là. Non, il a des forts potables, hein. Ah, et là il y a des gens. On va demander au Dagbong de s'attacher à nous. Ah si, il vient Pulse. Intéressant. On y va à 20 000 contre 24, on devrait complètement gérer normalement, voilà. Surtout si lui vient nous aider, c'est ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Ah mais ça va être tendu, j'aurais cru qu'on serait ouais, plus efficace que ça. Bon bah du coup on va se replier un peu. Vite tough. Oh bah si ça va, ça avance très très vite. On a 0 de siège ici en même temps, là on a 0 aussi. Industrie artisanale, alors on peut pas s'opposer au progrès. Ou alors on garde les privilèges des guildes. Anne Production, Anne Goyo et Luba, ou alors ils gagnent en influence, oui. Ils vont gagner en influence, ça me paraît pas mal. On a eu un succès qui consiste à avoir 3 ordres à 70%, je ne l'avais jamais fait en Iron Man, visiblement. Ou alors c'est un nouveau succès. Oh la vache, il y a quand même 32 000 rebelles ici. Ça déconne pas. Alors ici, il est en train d'envoyer des hommes. Oh, on peut pas le choper là. Oui, on peut complètement le choper. Alors qu'il a son moral encore un peu à poil. On va essayer de le faire. Visiblement, il ne sait pas quoi faire. On va repasser en vitesse 2 quand même. Hein. On va arriver à temps. Ouais, nickel. Alors, il va par où? On va essayer de voir si on peut pas le choper. Ici, on va faire des sièges. Il est en train d'envoyer quelques hommes par là-bas. Donc, on va faire des sièges avec cette armée-là. Et cette armée-là, on va l'envoyer chasser les trucs qui se baladent. Bon, visiblement, ils font demi-tour. Si vous vous scindez, il y en a 4000 qui vont là-bas. On va continuer de les poursuivre là, on verra plus tard pour les sièges. Si on peut les choper, ce sera rentable. Je pense qu'on va partir sur les doctrines de quantité. Hein, parce qu'effectivement, là, avec nos troupes actuelles, on a quand même... Que 20 000 hommes sur ce flanc, on en a bon 10 000 qui tiennent le truc ici, puis 20 000 qui tiennent là, c'est pas ouf hein, pour tenir un pays de cette taille, surtout qu'on peut pas trop convertir et tout, c'est quand même pas ouf. Hein. Ah merde, il y a 32 000 hommes là. On va faire en même temps, il va falloir qu'on se les fasse. Hein. Partisans du prétendant. Vous allez là, vous,
vous allez ici. Donc l'Ethiopie c'est fait. J'ai complètement oublié d'envoyer un mec faire un réseau du coup. Donc on va envoyer quelqu'un faire un réseau et on va poser un embargo sur sa tronche à lui. Hop là, c'est parti. Tiens, il a négocié un accès militaire avec la Grande-Bretagne pour faire chier le monde. Très bien, pourquoi pas. Faut qu'on fasse gaffe à ceux-là, là, on va faire des sièges. Ils sont partis sur la capitale, donc on va faire des sièges dans leur dos. À Emile, s'ils arrivent à terminer leur... Enfin, à obtenir leurs exigences, c'est pas plus mal. Hein. Alors, les marchands perdent en loyauté, oui. J'ai pas regardé, quand est-ce que on pourra retaxer les marchands? Ah bah on peut les retaxer. On va complètement les retaxer pour rembourser notre emprunt. Voilà. Merci les gars. Ici on avance. Donc il y a 3000 hommes ici, 5000 là. Visiblement ils s'amusent. Bah ici notre vassal est de toute façon en train d'assiéger les trucs du rebelle, donc je pense qu'on va devoir se le faire. Du coup si on doit se le faire, on va se le faire tout de suite. On va regrouper des hommes, on va demander à notre vassal de se pointer s'il veut bien se pointer. Et on va s'occuper de la capitale. Alors une nouvelle tech admin, c'est parfait. Et on est de nouveau en avance en admin, ça c'est nickel par contre, mais alors vraiment nickel. Et on peut faire des bâtiments qui vont nous rapporter du blé mais qui coûtent trop cher à cause de nos emprunts. Donc on va attendre. Ici on se regroupe et on leur saute à la gorge. C'est quoi comme terrain ça? C'est de la savane, ça le fait. Allez, ici vous vous pointez les gars. Ouh putain, ils sont plus résistants que je pensais en fait. Ah, l'intégration du Dagbon c'est fait, parfait. Ce qui veut dire que du coup, ces troupes sont à nous. Du coup, go les gars. Bougez-vous les fesses. Allez renforcer, ouais non ça va, il s'écroule. On en est où niveau troupes? On est beaucoup trop gros, mais ça devrait se régler avec les états. Alors on peut faire plein d'états. Alors regarde, on va faire un tour de partout pour voir un peu ce qu'on a de rentable. Ici on a 1,56, c'est pas mal. Ici c'est de la merde. Ici on a 1,06, c'est pas top. 1,17, c'est mieux. 0,77, c'est pourri. 1,32, c'est pas mal. 1,09, c'est pas mal. 1,35. Oh, on a quand même des trucs qui sont pas dégueulasses hein. Ça c'est de la merde, mais c'est parce qu'on a rien. Ça c'est 0,90 avec juste cette province, donc à mon avis quand on aura colonisé le reste ça sera rentable. 0,53 non. 1,05 non. Bon bah ça non. Ça j'imagine que non aussi, voilà. Non, on a beaucoup d'états hein. 0,80, 1,65 ici, ça c'est très très bon ça. Ça 0,33, ok, c'est pourri. 0,78, ce petit machin là, bon, on a rien donc c'est merdique. 1,54, ça c'est pas mal. 1,08, ouais c'est pas dingue, 1,08, 1,42 c'est mieux. Oh là là, mais la vache, qu'est-ce qu'on en a des états? C'est la violence. 0,02 celui-là, ça mérite d'être clair. 0,80 bof. Ouais, 2,69, donc ça par contre on fait direct, surtout ça ne nous coûte rien. 1,40 on fait également puisque ça ne nous coûte rien. 1,84 on fait. 1,56 on est revenu sur ce 1,56. Alors du coup
ici, c'était combien déjà? 1,42. On avait qui était rentable, 1,65, ça on va le faire, on va payer. Le prix est pas ouf, ça va. Ou alors c'est qu'on peut pas payer plus, c'est qu'on peut pas payer plus. 1,06, ouais, c'est pas dingue. 1,54. Y a pas d'autres trucs qui seraient intéressants là? 0,96. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. 1,12, ouais. 0,77. Ça c'est fait. Ça on a vu que c'était pas dingue. 1,12 gratuit, je pense qu'on va le faire quand même. C'était notre dernier. Donc du coup, il y a des ordres qui gueulent, bien sûr. C'est normal. Hop là, on va leur filer quelques trucs. Tiens, bah ça pour l'éclair. Et un truc... ouf, mais pas trop. Voilà, ça c'est bien. Un autre truc, ouf, mais pas trop. Ça, allez. Hop là, voilà. Et pendant qu'on y est, tant qu'à foutre la merde, est-ce qu'on peut pas restreindre un peu l'autonomie locale à certains endroits? Ah non, tiens, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Dans mes nouveaux états là, pourquoi je ne peux pas dans mes nouveaux états restreindre l'autonomie? Qu'est-ce que c'est ce scandale? Ah, parce qu'on est en guerre, pardon. Ouais, donc du coup c'est un petit scandale, ça va. L'Ethiopie revendique des trucs. Ouh, il y a 15 000 hommes ici. Donc là on va gagner cette bataille, c'est la bonne nouvelle. Voilà, donc ils sont pas morts, on va les terminer. Et puis bah vous, ouais, vous allez rester là pour faire les sièges. Ici on fait le siège, ici on se scinde. Et on se bouge là. Alors vous pouvez voir que notre vassal a commencé à bouger. Et puis il est reparti. Je sais pas trop pourquoi. Merde. L'événement qui pop au moment où je vais renforcer mes troupes, quoi. Alors on peut prendre une nouvelle doctrine militaire. On est encore à 70%, on va donc le faire. Avec grand plaisir. On a plus 5 commandants, ça c'est cool. Et plus 1 diplomate. Nos diplomates ne foutent en rien. On va immédiatement pallier à ça. Alors, est-ce qu'on a des revendications sur la Grande-Bretagne? Non, hein. On n'a absolument pas de revendications sur la Grande-Bretagne. Ça va pas du tout. Au niveau des légitimations, bah il y a des trucs qu'il faut qu'on légitime, donc on le fera dès qu'on aura des points. Ici on va les terminer vite fait. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, notre empereur est crédule. Mince. C'est triste ça. Bon, vous pourriez les terminer, non? Je fais que des zéros, quoi. C'est ouf. Ah, mais ils sont pas encore morts, la vache, quoi. Comme ils résistent, les mecs. Faut qu'on s'en débarrasse, quoi. C'est pas possible. Faut absolument qu'on s'en débarrasse. Peut-être un moment on va réussir à les défoncer, voilà, quand même. Alors maintenant on va aller chasser les autres péons. On a des mecs qui font plus rien par contre. Vous allez vous scinder, il y en a un qui vient là. Il y en a un qui vient là, là il y en a un qui vient ici. Il y en a un autre qui vient, toi tu vas ici, toi tu vas ici. Toi t'es en train de bouger, toi t'es en train de faire le siège. Parfait. On a les petites troupes du Dagbon avec leurs 3000 canons qui s'occupent du siège de la capitale, c'est nickel. Ici on est vachement nombreux, je devais avoir deux armées ici. Ouais, bon au niveau des troupes on est bien, hein. Pas de stress. Bon bah y a plein de gens qui font des légitimations, c'est normal, des revendications, pardon. Voilà, ça c'est pris, on avance. Ici on n'a pas besoin d'être aussi nombreux. Alors déjà il est en train de se barrer par là. Est-ce qu'on peut passer en marche forcée? Est-ce que ça vaut bien le coup? Là je vois 62%. Faut qu'on prenne des trucs ici pour les filer à Apple, mais on n'a pas besoin non plus d'un score de dingue. Il est en train d'arriver dans notre dos ici. Alors, on va envoyer ces hommes là. Parce que ça s'est un peu calmé à Dora, même si on se barre je pense que ça va repéter mais... Ah non, moins 9, ça va.
Ça va, ça va. Donc cette armée-là va s'occuper de ceux-là, et cette armée-là de ceux qui sont ici. De toute façon, il y a des forts, donc ils vont pas aller loin, normalement. L'Ethiopie assaline de mes marchands. Parfait ça, le siège est terminé. Allez, on trace. Ah la vache, le plus court c'est de faire ça. Vous êtes sérieux? Ici, on n'est pas assez nombreux, visiblement. On a combien de manœuvres avec lui? 3 de manœuvres, et ici, ils ont 1, donc au bout d'un moment, on devrait les rattraper. On est obligé de passer par là. Pourquoi je peux plus passer, là? Ça, c'est interdit par une... Ah, la vache, cette forteresse-là me bloque. Vous? Ah bah oui, bah non, bah du coup, stop. Ça ne sert à rien d'aller par là. Ça ne sert à rien d'aller par là. Ici, on va plutôt se concentrer là, du coup. On va aller se défoncer, c'est con. Ah, ils m'ont vu. Alors, où est-ce qu'ils vont? Gao, il se replie par là. C'est un fort, ça. Oui, c'est une forteresse, Gao. Je sais pas si c'est une bonne idée de se replier sur une forteresse. On va les choper. Non, j'ai annulé mon mouvement, on ne va du coup plus les choper. C'est pas grave. Alors ici, on se regroupe, on va là, ici on va là, ici on va ici, et puis bah vous... Bah vous faites ben ce que vous voulez, j'ai envie de dire, là ils sont en train de se barrer, le problème c'est que si je les poursuis par ici, bah ils vont juste à faire demi-tour et ils se retrouvent là quoi. Enfin, cela dit, on a largement les troupes qu'il faut pour les intercepter, donc on va le faire quand même. Alors la Grande-Bretagne et ses corsaires, on va la voir souvent, hein, le coup du casus belli. Ici on aura une planité de franchissement de cours d'eau. 2 de mouvement, 3 de mouvement. Ah oui non, mais de toute façon c'est un fort qui nous appartient puisqu'il est assiégé. On va leur sauter dessus avant qu'ils refassent plus de... qu'ils renforcent plus leurs troupes. Voilà. Ça devrait relativement bien se passer. On va peut-être pas les stack wipe, mais on devrait quand même leur faire bien mal aux fesses. Il est motivé, hein, le mec. Hein. Ça devrait changer, voilà, ça devrait changer assez vite. Où est-ce qu'il va? Il m'a pris des trucs ou pas? Non. Hein. On va le poursuivre un peu, on va voir où il va. Ah, il doit se replier sûrement par là-bas. On va le devancer. Oh bon, il reste plus que le siège à prendre ici, on est tranquille. Donc on va aller se regrouper là pour lui enlever l'envie de faire demi-tour, hein, des fois que, ce qui va sûrement le faire. Hein. D'ailleurs on voit déjà qu'il est en train de le faire. La paix non. On peut appeler un allié, on pourrait appeler qui? La France? Sérieux? La France accepterait de venir nous aider dans la guerre, alors c'est gentil de sa part mais on s'en fout un peu. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'armée qui est là, on va essayer d'intercepter ces 6000 hommes, et avec celle qui est là, on va aller chercher ceux-là qui sont en train de se replier, tout simplement. Alors, lui il va où? Il est en train de se barrer par là. Ah vache, il se replie vite, hein, il va plus vite que mon mec... ici, ouais, on va se re... ouais, on devrait arriver à l'heure là largement, avant lui en tout cas. N'oublions pas non plus qu'il se déplace dans la jungle. Alors où est-ce qu'il va lui? Il va par là. Il est loqué, donc on va le choper vite teuf. Ah bah finalement il s'est arrêté là, donc on l'a attrapé quand même. Bon bah il attend. Il a même plus envie de s'enfuir. Alors, une bataille de terminée, une autre bataille de terminée, le siège c'est fait, donc on va aller chercher ça vite fait. Ici, bah voilà, ils sont arrêtés. On va emmener des troupes. Et puis on va aller leur sauter dessus dans le dos avec notre général. Pas de problème. Ici, on va retourner là-bas. Bon, ça va, ça... Où est-ce que ça pète? Indépendance de Jolof, c'est où? Chez les Pulse.
les mecs. C'est ici que ça gueule? À Djolof? Vraiment? Ça va être combien d'hommes ici? 33 000. Bah écoutez, vous, tant qu'à faire, vous allez là-bas. J'ai bien envie de dire. Et ça, c'est la deuxième armée. On va prendre le mec de la deuxième armée. Ah bah, on a quelqu'un qui fait rien, déjà. Allez hop, en avant. De toute façon, notre conquistador, il nous sert plus à rien ici. C'était vraiment histoire de terminer les quelques trucs. Ici, on laisse ce qu'il faut pour le siège. Et on termine les 5000 hommes. Et après, bah, on va se gaver, hein, tout simplement. Ah, il contre-attaque. Attention. La contre-attaque de Massina. Brutale et violente. Un échec cuisant. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, c'est parti, on rentre. On va donner tout ça au Pulse. Et puis, bah, on va utiliser... on va prendre du blé, on va prendre des repas de guerre. Et tout le reste, on va le filer à Pulse. Hein. Pulse. Surtout que Pulse a des revendications légitimes dessus, donc ça devrait pas coûter hyper cher en score de guerre normalement. Il va aussi falloir qu'on regarde un petit peu les bâtiments parce qu'il y a peut-être moyen de construire des trucs sympas au Dagbon. Il y a un truc qui fait que je regarde aussi, ah, c'était les édits, si j'en avais pas oublié. Puisque maintenant, grâce à vous, je sais qu'il y a une carte des édits. Et ça, on va le faire immédiatement avant d'oublier. C'est dans les cartes économiques, je crois. Non, pas du tout, c'est dans les cartes politiques. Oui, c'est là. Non, bah, si ça s'en est. Non, ça n'en est pas. Bah non, visiblement, on n'en a pas oublié, donc c'est parfait. Eux, c'est quoi ça? Populace aérienne, donc ils devraient pas traverser normalement. Allez, on termine ce siège. Voilà, on se barre d'ici avant de rester coincé parce que on peut pas se déplacer chez nos ennemis. Dès qu'on sera en Grande-Bretagne, ça sera bon normalement. On se retrouvera au pire en exil, mais on sera pas bloqué avec nos 1000 hommes. En fait, au niveau des limites, on est comment maintenant qu'on a nos états? Ah, il nous manque un homme. Wow, ça devrait changer une fois que lui aura grossi, je pense. Détection des espions en Grande-Bretagne. Putain, la vache, ça pique. Détection des espions en Massina. Bon, ça c'est moins grave. D'ailleurs, toi tu vas revenir. Il va nous falloir quelqu'un pour faire la paix. La France qui veut nous rejoindre, quoi, sérieusement. Sérieusement, France, as-tu rien de mieux à faire? Un commandant nous a quittés, ah zut! Il est mort en entraînant ses troupes. Ah bah, c'est malin, c'est notre conquistador! Bah, non. Qui c'est qui s'entraîne? Personne qui s'entraîne. À part eux. Ok, bah, je ne sais pas comment il a pu mourir en s'entraînant, du coup, mais tant pis. C'était celui qui était là. Là, on va faire ça, et on va faire une petite paix. Alors, le score de guerre monte, mais on s'en fout. Donc on prend son blé, s'il lui en reste. Ouais, 605, c'est pas mal. Alors non, ce qu'il faut qu'on fasse, je crois, c'est rétrocéder des trucs, voilà. Alors si, par exemple, je lui demande de rétrocéder ça. Ça coûte 6%. Ouais, c'est kiff-kiff, en fait. Hop, hop. Voilà, donc on a que 70%, donc on va prendre le reste. La capitale, ça me paraît pas mal. Un truc pour nous rejoindre. Plutôt par là, pour couper en deux. Ouais, ça me paraît bien, ça. On prend ça, on rétrocède ça, on prend deux provinces pour avoir un chemin pour aller vers lui. Et puis c'est tout. Qui c'est qui gueule? Massina et Aïr gueule. Voilà quoi. Et on ramasse 600 blés. Voilà.
c'est propre. Ici, on détache les troupes en trop. On va les envoyer là. Ici, quoi ça ressemble? On a des troupes en trop. On va les envoyer là. On va faire une... Bah, peut-être pas une troisième armée, parce que du coup, niveau troupes, on est un peu just. Mais vous voyez l'idée. Alors, au niveau des trucs à construire... Ouais, ça c'est pas mal, ça. Ouais, on va s'arrêter là. Au niveau des forts... Ouais, il faudra qu'on mette à jour nos forts. Ici, c'est pas complètement fait. Ici, c'est pas fait non plus. Il va falloir qu'on mette un peu à jour nos forts. Lui, il avait des forts de merde, donc de toute façon, voilà. Celui-là, je sais même pas si ça vaut bien le coup de le garder. Ouais, s'il y a quand même une petite ligne là. Bon, on verra ça quand on aura des sous de toute façon. C'est plutôt pas mal. Du coup, on a... Attends, on collecte un max à Zanzibar. Là, le Golfe d'Aden, on transfère bien. La Côte d'Ivoire, on a beaucoup gagné en puissance, je pense, grâce à ça. Donc ça, c'est cool. Bon, 7% c'est pas ouf, mais toujours ça de prix. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On continue tranquillement de grossir, hein, ça suit le plan. Et puis bah, on se retrouve du coup demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.